Ouais, en France, ouais. J'avais fait finale en Belgique, mais. De la fierté parce qu'on a fait un parcours qui était. Qui est intéressant parce on est dans le dernier carré. Après, on pourra toujours nous dire qu'on a joué des équipes un peu plus faibles et que. Mais bon, il y a pas mal d'équipes qui se sont cassées les dents avant nous pour pas arriver à ce niveau-là. Donc on est très fiers d'y être. Maintenant, voilà, on a préparé le match comme il fallait pour pouvoir faire un gros match et se dire aussi qu'on n'est plus qu'à un match de la finale. Plus de concentration, je pense, que d'excitation vraiment dans le but de se dire, bah voilà, on sait que c'est un match important, notamment pour la saison, pour le club, pour l'ensemble des gens qui travaillent. Et sinon, on est la vitrine, donc forcément, ça nous fait plaisir à nous, joueurs, d'y être. Mais voilà, on se dit qu'on a la chance de recevoir une belle équipe de Paris, que sur un match, tout est possible et que voilà, on va tout faire pour justement gagner ce match et passer. Je sais pas, parce que Paris, ça reste Paris, hein, quoi qu'on dise. On sait que ça dépend surtout aussi d'eux. Nous, on est obligé d'être à 100%, et puis eux, s'ils sont à 100%, c'est compliqué. Et puis s'ils sont un peu moins, il faudra qu'on sache les titiller et leur faire mal. Après, ça reste un match de foot. En face, même s'il y a des joueurs de qualité, nous aussi, on en a dans notre effectif. Et il va falloir qu'on valorise ça et qu'on s'accroche, parce qu'on sait qu'on joue face à une très bonne équipe de ce championnat et d'Europe. Ça sert, je pense que chaque joueur a vécu des parcours différents en coupe, donc je pense que l'expérience de chacun, elle sert. Après, on sait que la coupe, c'est des matchs couperets, on l'a vu sur les tours d'avant, contre des équipes un petit peu plus de division inférieure. On pensait que ça pouvait être. Les gens pouvaient penser que ça pouvait être plus facile, et au final, on se rend compte que c'est difficile, donc on est dans cette peau-là aujourd'hui face à Paris. Après, on sait que ça va jouer sur des détails, hein. C'est comme si on jouait un match de Ligue 1, on a 90 minutes, et voilà, il faut tout donner sur ces 90 minutes-là, et après, on verra où ça nous mène. Je sais pas si juste sur ce match-là on arrivera à gommer tout ce qu'on a fait de moins bien sur la saison. Après, c'est sûr que les petites inattentions qu'on peut avoir sur les matchs précédents face à ce type d'équipe-là, déjà en Ligue 1 on le paye cash, alors face à ce type d'équipe-là on le payera aussi cash. Maintenant, j'espère qu'on va pas faire que défendre parce que ce sera un peu long. Et vu le potentiel qu'on a sur le terrain et dans le groupe, je pense qu'on peut aussi. Mettre de belles choses en place pour attaquer. Après, c'est sûr qu'il va falloir qu'on soit solide pour faciliter un peu le travail de notre attaque. Je sais pas si on va plus pouvoir les faire douter. En tout cas, nous, notre but, ça sera de les faire douter au maximum. Maintenant, aujourd'hui, ce sont eux les favoris, je pense, de cette finale, même si c'est du 50-50, parce que sur cette demi-finale, justement, il y a une équipe qui va passer et une qui sera éliminée. Maintenant, oui, ils sont dans un moment où ça a été un peu plus dur. Ils ont une semaine difficile. Après, ils ont une semaine difficile, ils sont quand même sortis d'une demi-finale de Champions League, c'est pas dramatique non plus. Et puis derrière, je pense que pour la course au titre, ça va être compliqué, même si c'est pas fini. Donc peut-être qu'ils doutent. Après, c'est des grandes équipes qui ont l'habitude quand même de se concentrer, et quand il y a des trophées à aller chercher, ils ont plus l'habitude que nous d'y être. Donc ça va être d'autant plus important de bien rentrer dans ce match, en tout cas. Enfin, quand même, hein. Oui, parce qu'il amène une profondeur que d'autres joueurs n'ont pas. On peut penser à Icardi, à Keane, à Sarabia, à Neymar. C'est beaucoup de très bons joueurs, mais c'est vrai qu'il amène un plus que ces autres joueurs n'amènent pas, forcément, vu le talent de ce joueur. Et vu comme il l'a prouvé sur la scène européenne et mondiale aussi, forcément, ça change un petit peu la façon de défendre. En tout cas, on sait que il faut moins laisser d'espace dans son dos, forcément. Je pense que. Bon, on a vu par rapport aux images du dernier match contre Rennes où ça a été un petit peu. Ils sont un petit peu énervés. Je pense qu'il y a un phénomène de pression. Ils ont joué beaucoup de matchs à pression. Ils sont sous pression dans le championnat depuis quelques temps par rapport à des équipes qui les titillent. Après, il faut pas franchir la ligne rouge et se dire voilà, il va falloir les tamponner, leur entraînement. Après, forcément, il y aura des duels à jouer. Ce qu'il faut pas, c'est qu'on rentre dans un combat où on se dit on va tout mettre là-dedans. Et j'espère en tout cas que les arbitres qui feront le match ne jugeront pas que chaque intervention de Montpellier, c'est pour leur faire mal ou pour. Voilà, je pense que au sein du groupe, il n'y a pas de mecs qui se disent voilà, on va se faire des Parisiens. C'est pas du tout cette mentalité-là. Mais par contre, forcément, il y aura des duels et de l'enjeu, comme eux peuvent en mettre aussi. Après. Est-ce qu'ils sont plus protégés ou pas, je sais pas, c'est pas à moi d'en juger, mais c'est vrai qu'il faut pas qu'on rentre dans ce débat-là, parce que sinon on va tourner le match sur ça et j'espère qu'on sera arbitré en tout cas de la même façon que eux sont arbitrés peut-être sur la scène européenne ou sur des matchs à enjeu en tout cas. Je sais pas, après les chambrages ça fait partie du jeu, je pense ça restera toujours comme ça. Le respect, moi j'ai pas eu la sensation qu'en tout cas ils nous respectaient pas ou qu'ils nous prenaient de haut. Après,
Je pense qu'ils sont concentrés sur les matchs, peut-être un peu moins que sur un match de Ligue des Champions, mais forcément ils se disent que, bah, notamment cette année, ils se rendent compte que, bah, peut-être en étant un petit peu plus négligents sur certains matchs, ils auront peut-être perdu le championnat par rapport à ça. Après, est-ce qu'ils nous respectent plus que d'autres équipes? Je suis pas beaucoup plus sûr. Mais c'est sûr que nous, en tout cas, à domicile, on leur a quand même posé souvent des problèmes. Non, là franchement, aujourd'hui, on s'est concentré surtout sur la récupération parce qu'on avait joué il y a 3 jours, enfin il y a 2 jours. Donc du coup, ça c'est un petit peu pas mal de récup. On commence à se mettre gentiment dedans. Après, la pression, j'ai envie de dire, contre Paris, naturellement, elle vient. On sait que ça va être un gros match. Puis après, il y a aussi l'enjeu de la demi-finale qui fait que voilà, on se dit on est à 90 minutes de pourquoi pas une finale. Et puis bah, pour le club, pour tout le monde, je pense, pour le coach, pour l'ensemble de cet effectif aussi, parce que c'est une aventure humaine à vivre. Ça serait une super récompense, mais on l'obtiendra que si on est bon dans ce qu'on fait. Bah, je pense que déjà, il a accepté aussi le fait que quand Giroud est parti, ils allaient recruter un numéro 1, et après c'était à lui de le concurrencer, et puis il a bossé tout simplement. Je pense que ce qu'il a aujourd'hui, c'est ce travail qu'il fait, et c'est mérité, comme le troisième gardien, Mathias, peut aussi le faire. On a quand même des gardiens qui travaillent et qui progressent, on s'en rend compte au quotidien. Après, c'est des mecs qui disent rien, c'est des jeunes, ils bossent, ils travaillent beaucoup avec Teddy, et il faut aussi féliciter Teddy par rapport à ça. Et puis même l'ambiance qu'ils ont entre eux, il n'y a pas d'animosité. Forcément, il a peut-être envie de jouer plus, ce qui est normal, mais en tout cas, sur les peu de matchs qu'il a, il prouve que ce qu'il fait, c'est bon. Après, ça dépend aussi des joueurs, ça dépend des équipes contre qui on joue. C'est sûr que c'est pas les mêmes matchs quand on joue des plus gros. Donc après, on sait qu'on peut lui faire confiance, et nous, c'est important de savoir que derrière, on a un mec qui tient la route. Bah alors, bah, ma saison, je la juge un petit peu mitigée, forcément, parce que j'aurais aimé jouer forcément plus, comme tout joueur qui a envie de jouer. Après, aujourd'hui, en face de moi, il y a Junior qui a fait. Bah, qui a su profiter aussi des absences et des moments où j'étais peut-être un peu moins bon pour être performant aussi. Et on est rentré après dans un moment où c'était compliqué de ressortir une équipe qui gagnait, ou une régularité, ou même après un joueur qui était bon dans ce qu'il faisait. Faut aussi se rendre compte que il a eu un passage qui a été très très bon. Donc moi, à partir de ce moment-là, il a fallu que j'accepte d'être un numéro 2 ou un mec qui est en concurrence pour pouvoir, bah, se dire que voilà, moi, la semaine à l'entraînement, mon but, c'est de concurrencer à fond pour te montrer que je suis là, et d'une, pour que lui reste performant, et de deux, se dire que voilà, moi, il faut que je sois derrière pour en faire plus, pour pouvoir bah, le concurrencer. Maintenant, le coach, après, il a fait des choix. Il a peut-être, il y a des moments où j'aurais pu jouer un peu plus, peut-être un peu moins, rentrer dans des matchs ou pas, mais ça, après, c'est des faits de jeu. Et je pense que le plus dur pour un joueur, c'est de l'accepter, mais pas d'être résigné, de se dire, bah, de toute façon, je jouerai pas, et puis c'est comme ça. Jamais été comme ça dans tous les clubs que j'ai fait, et ça changera pas avec les années qui vont venir. Maintenant, on va essayer de bien finir la saison, et on verra après comment ça se passera l'année prochaine. Chaque année peut être différente. On peut peut-être aussi être aligné ensemble. Il peut jouer devant moi, parce que là, j'ai aussi cette faculté à pouvoir jouer à différents postes. On l'a vu à Strasbourg, où il a joué au milieu, enfin, un bon match. Après, voilà, c'est de la concurrence, et c'est bien qu'elle soit saine comme ça. Et je suis content aussi pour lui, parce que il a vécu des années peut-être un petit peu plus difficiles avant, où il jouait moins, et aujourd'hui, il fait ses matchs, et à moi d'essayer de faire les miens, même si on a des caractéristiques qui sont bien différentes. Bah, je vais aller chercher mes enfants à la crèche. Après, je vais leur donner à manger. C'est toujours un grand moment. Hein. Donc, ça fait une bonne soirée. La soirée, celle-là, elle ne changera pas. Après, oui, trouver le sommeil, oui, ça, il n'y a pas de souci. Après, est-ce que je vais passer une nuit complète? Ça dépendra pas de moi. Ça dépendra plus de mes enfants. Mais sinon, non, non, il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas une pression particulière à se mettre. De plus, le match, il faut le préparer gentiment. On a tout demain pour le préparer, sachant que. Le match est à 21h, il y a quand même une grosse journée avant de préparer, mais voilà, il y aura, oui, on commence un petit peu à réfléchir comme on a pu le faire aujourd'hui à l'entraînement déjà.